Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Veuillez encore vous saluer les uns les autres. Et si tu ne connais pas le nom de quelqu'un, tu lui demandes. Vérifiez que vous connaissez le nom de quelqu'un, parce qu'il avait pipé quelqu'un tout à l'heure, il a dit que c'est qui là-bas. J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de venir encore avec la pluie, comme il pleut, et qui sont encore en route. Bonsoir à toutes les sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous les frères, que Dieu vous bénisse. Vous savez, chaque fois, je fais ceci en réalité parce que, regardez, chacun sort dans son endroit différent. Et vient s'asseoir là-bas, on partage autour de la parole. Et puis vous sortez, chacun rentre chez soi. Demain, vous vous rencontrez dans un supermarché, en route, vous dites, le visage du type, me dit quelque chose. Que ton visage, je l'ai déjà vu, où tu tapes ta tête comme ça, comme les musulmans, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Après, quand il part, tu dis que, ah, c'est en assemblée, c'est pas bon. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est dans les dénominations que ça, c'est que on a des collègues. Au milieu des chrétiens, nous sommes des frères. Donc, ça veut dire que on doit se connaître les uns les autres. Non? Il ne sait pas comment. Vous avez vu, voilà un exemple simple. Il vient de saluer dans ça dit que ça va, mon frère. Elle dit, bonsoir, mon frère. Elle dit son frère. Mais elle ne comprend pas le nom de son frère. On va lui demander alors. Moi, c'est le frère Théodore. Il s'appelle comment? Frère Maurice, bonsoir. Bonsoir. Il s'appelle comment? Je ne connais pas. Mais il est devant toi, Maurice. Voilà l'autre Maurice. Il dit comme ça, comme si mon monsieur là. Souvent. En tout cas, il faut que vous connaissiez parce que ce qu'on va entamer là maintenant, vous êtes obligé de vous connaître, d'accord? Je me souviens en 2012. Lorsque nous faisions la conférence là-bas au cinéma Eden, si vous y étiez, il y avait quelqu'un qui était dans la salle, il était assis. Il dit, ok, vous dites maintenant que l'église est comme ça là, c'est une sorte de dénomination là. Peut-être dans mon quartier, je suis seul. Et vous savez ce que le Saint-Esprit fait? Je suis debout comme ça, il a déposé la question. Je le regarde comme ça là, le Saint-Esprit dit, pose-lui la question, dans quel quartier il se trouve. Je suis là, il dit, tu es dans quel quartier? Il dit que je suis à, vous l'avez dit, à quoi? Où c'est à quoi? Dans la zone des, comment? Bepanda, voilà les Bepanda. Il dit que le Saint-Esprit dit, pose encore la deuxième question. Qui sont ceux qui sont à Bepanda? Vous savez ce qui se passe? Vous connaissez le cinéma Eden. Tous ceux qui étaient à Bepanda étaient assis à côté de lui. Mais lui, il ouvrait sa bouche, il disait que que je suis seul. Il dit, ok, celui-ci à Bepanda, est-ce que tu le connaissais? Il dit, non. Le Saint-Esprit vous a mis ensemble là-bas. Vous êtes venu ici, chacun a choisi sa place. Vous êtes allé s'asseoir ensemble, sans savoir que vous êtes là. Donc, il faut que vous connaissiez, d'accord, frère? Amen. Nous, je vous bénisse. C'est pour enregistrer, hein? Vous voulez enregistrer, mettez ici. Faites un bon usage. Comme ça, quand il fait 2 mois, je ne viens pas vous demander que j'avais dit telle chose. Vous dites, Bon, je pose la question déjà avant qu'il ne commence maintenant, parce qu'il va commencer par les prophéties. Les prophéties qu'on donne ici, vous les surveillez, vous les écoutez. Je crois que si vous mettez, vous voyez quelqu'un, la personne qui a le téléphone ici n'a pas coupé l'appel. Donc ça dit si quelqu'un appelle, ça risque de couper sa connexion. Quand vous voulez enregistrer, vous mettez en mode avion. Ça, pour qui ça? Le téléphone, c'est pour qui? Quand vous voulez enregistrer, vous mettez en mode avion et puis vous... Sinon, si on appelle là, ça va couper. Et j'espère que vos téléphones ne sonneront pas. Chaque fois quand il est dit... Comment? Il faut toujours couper. Voilà, cette personne s'est mise en mode avion, c'est bon. Là, les deux appels sont ouverts. Cette personne qui a le téléphone, ça ne pourra pas durer une heure parce que la batterie est là, presque finie. Voilà. Cette fois, je suis obligé de dire avec notre langage encore, mais si vous êtes aguerri, je veux tout simplement votre attention, d'accord? Quand tu es dans le resto aussi. Ok. Lorsque je vais dire, sans devoir regarder, il parle du cas du Cameroun, d'accord? Ce qu'il veut dire maintenant, parce qu'il fait qu'il dit ça rapidement, et puis on avance dans ce qu'on va trouver par rapport au réveil là maintenant. Écoute-moi attentivement, je vous dis, je suis obligé de parler avec ce langage, c'est parce que je me trouve ici. Mais soyez attentifs, vous allez écouter. Lorsque nous parlions des génocides ici, vous vous souvenez, je vous parlais des génocides. L'esprit des génocides, il faut que nous prions
pour disperser ça. Et ça, c'était en février ou en janvier, au début de l'année. Je disais que ces personnes, ce que je suis en train de regarder, ce qui me paraissait bizarre, c'est que ce sont des personnalités. Vous savez, les personnalités qui sont censées donner le conseil aux gens, des conseils, ce sont ces personnes-ci qui font des réunions pour activer ces choses-ci. Ce n'est pas normal. Parce que j'étais surpris dans ce groupe-là, alors qu'ils étaient en réunion en train de parler. Ce qui est curieux, c'est que quand vous êtes dans l'esprit, quand ils parlent dans leur langue, tu entends ce qu'ils disent. C'est-à-dire que tu peux comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais si tu es dans la chair, tu peux répéter les mots, mais sans comprendre. Vous remarquez que dans cette prophétie, je n'ai pas dit quelle langue ils ont sur les questions. D'accord? Pourquoi on ne dit pas qu'ils sont en train de créer des problèmes au Cameroun? Mais dis seulement qu'il y a un esprit de génocide qui est en train de venir. Des gens se sont réunis quelque part, ils sont en train de parler en patois, ils parlent de machette. Et puis ils parlaient en patois parce qu'ils voulaient se rassurer que dans ces cercles-là, que tous ceux qui sont là-bas soient les autochtones. Et puis après cela, ça va se relayer sur les enfants, puis ils vont sortir dans les rues. Je vous avais dit, je ne les ai pas encore vus dans les rues, mais Dieu m'a montré plutôt à l'intérieur. Et puis il dit, il faut prier, ils sont en train de faire ce cercle-ci, c'est pour que ça sorte plus tard. Il faut qu'on arrête là. Parce que si on n'arrête pas là, ils sont en train c'est parce que c'est en train de tourner encore, c'est pas encore fini. Donc il faut qu'on bombarde la prière pour pouvoir disperser ces choses-ci. Maintenant, la dernière fois, je tente de dire, si deux personnes ont des problèmes, je parle pour le cadre de notre pays, et que vous dites, ok, calmez, mangez le tarot, mangez le ceci, mangez ensemble, est-ce que le problème a été résolu? Non. Ça, c'est la bombe à retardement. C'est un peu comme quelqu'un aurait un mur qui est en train de couler de l'eau. Au lieu de fermer l'eau, vous savez, j'étais allé quelque part, et puis le Seigneur me donnait les enseignements concernant cela, c'était à l'ouest, dans le Mungo. Et puis je vois une fille, elle a la raclette. C'est la raclette ou c'est la raquette? Bon, c'est qu'on pousse l'eau avec, d'accord frère? Elle pousse l'eau. Elle pousse l'eau. Je suis débouchant d'observer. Elle pousse l'eau, l'eau ne fait que venir. Elle pousse l'eau. Il dit, arrête de pousser l'eau ma chère. Elle arrête. Il dit, l'eau s'y vient d'où? Elle dit qu'en haut là-bas. Et tu en as fait quoi ici? Elle dit que tu en as poussé pour nettoyer ça sur le ciment. Il dit, tu vas te fatiguer et ça ne s'arrêtera pas. Il faut arrêter de revenir là-bas. On est là-bas, on a arrêté la source. Il dit, ok, racle le reste. Quand elle a raclé, au fur et à mesure, ça s'est séché. Donc les problèmes, les gens aiment traiter les problèmes de façon superficielle. Bonne arrivée, mon frère. Ça fait longtemps, non? Ça va. Hein? Ça va. Et un juif orthodoxe. Donc, regardez, lorsque la source est réglée, le reste, ça va s'évaporer doucement, doucement, et ça va s'arrêter. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ou bien quand on était à l'école, vous remarquez quand les gens se blessent souvent, ils prennent le papier, coupent le papier, ils mettent sur la blessure. Quand ils mettent sur la blessure, lui, il ne voit pas. Il croit que la blessure est finie, ou bien c'est fini. Deux jours après, tu vois, la même blessure, ou bien on fait souvent la craie en poudre. On prend, on met la blessure, on croit que c'est fini. C'est pas ça. Il faut résoudre le problème. Donc, c'est ce qu'il faut faire ici. Il faut résoudre le problème de fond. Il faut la repentance. Où les gens s'asseyent et se parlent. Et puis, il faut que les hommes de prière doivent devoir s'impliquer. Si les hommes de prière ne s'impliquent pas, tout ce qu'on a de faire là, même cette génération, ça va passer. Ça va revenir encore de plus belle. Même ce qui se passe au sud-ouest, au nord-ouest là-bas, 10 ans, 20 ans, si le problème n'est pas résolu de la bonne façon, ça va encore revenir. Donc, si on fait les choses plus superficielles, ça ne résoudra pas le problème. Alors, je parle principalement dans... Pour ce qui est des prophéties concernant les génocides, parce qu'à l'intérieur, je t'en ai parlé ici, je vous ai dit, prenez le livre d'Ézéchiel, chapitre 30, il parlait de la chute de l'arbre. Vous me suivez? Vous me regardez, c'est posté sur Bambaïba depuis le mois de février. Et puis, si vous regardez, entre la 17e et la 18e minute, je t'en ai parlé ici, je voulais vous parler de. Je vais lire le livre d'Ésaïe et puis je vais laisser que vous interprétiez. Et puis le Saint-Esprit dit ici que vous voyez que même les captifs de la fille de Sion sont allés retourner de la captivité. Qui était ici, qui avait entendu? C'était la frère. Donc, le jour-là, il prêchait seulement le frère qui était là. Oui. Donc deux personnes. Le jour-là, c'était deux personnes seulement qui étaient ici. Toi aussi, pas ça. Ou bien entre-temps, tu viens d'arriver. Et puis il dit, ils sont allés en captivité, pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils ont défié. Vous comprenez? Parce qu'ils ont défié. Mais il y a un décret qui doit les demander d'aller libre. Parce qu'il faut qu'ils s'entourent avec les siens. Donc il faut qu'ils s'embrassent. La joie, l'allégresse dans les familles. Mais là, quand vous entendez le Saint-Esprit dit, les filles de Sion, ils ne sont pas là en captivité parce qu'ils ont voulu, mais parce qu'il y a eu une désobéissance. Donc ils ont défié. Ils ont défié la loi. Mais la loi va, il y a un décret comme celui de Cyrus que libérer. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Maintenant, suivez attentivement maintenant. Vous êtes prêts? Il y a un chemin destiné. Je parle des dirigeants. Des dirigeants. La semaine dernière, je vous ai parlé ici, parlant
qu'il y a des arbres qui tombent avant le grand arbre. Vous vous souvenez? Voilà, donc ça va, doit tomber parce que c'est agriffé là-dessus et ça tombe. Pendant que on a essayé, avant que ça arrive au sol, d'autres branches tombent. Maintenant, j'étais en train de prier, puis j'ai vu cette route-là. Gardez-vous à l'esprit que je suis en train de parler du Cameroun. S'il sort du Cameroun, s'il veut parler autre chose, je vais vous dire de façon spécifique que je suis sorti du Cameroun. Mais je veux toute votre attention si vous êtes en train de noter, puisque ça vient d'être enregistré. Vous avez vu ce qu'il dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, voici une route sur laquelle les dirigeants sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher. Je dis, monsieur, je tenais là, j'observais. Une route ténébreuse. Une route ténébreuse. Donc, ils sont en train de faire le retour dans cette direction-là. Et puis, je regarde. Le capitaine en chef s'était focalisé sur lui. J'observais pour voir comment il va entrer. Tous ceux qui le suivaient. Et c'est dans la vision que j'ai compris le message aussi que j'ai donné concernant les branches qui sont greffées. Ça s'est tombé plutôt derrière à côté. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Monsieur, vous savez quand vous faites le... quand vous faites les levées de les couleurs, vous savez laver les classes, quand les enfants s'alignent. Et puis on finit chanter, on est entré dans la classe. Donc il y a une destination à aller. La personne qui est devant s'attend à ce que c'est cette personne qui entre en premier. Mais c'est derrière lui que ça se passe. Un. Deux. Vous me suivez ça, frère? Vous m'avez compris maintenant, n'est-ce pas? Donc c'est derrière lui que ça se passe. Maintenant, il y a une chose qui est étonnante. C'est pour ça que cette fois-ci, vous m'avez donné avec un langage. Une des personnes devrait se trouver là-bas de façon virtuelle. Quand ça va se produire, je vais venir vous expliquer bien, mais je vais vous donner avec les initiales pour que vous compreniez. Une des personnes, c'est une personne qui fait une déclaration, mais qui devrait se retrouver dans ce cortège-ci. Donc, en temps normal, de façon virtuelle, il fait partie de ce cortège-ci. Notez J, M et N, notez donc. C'est de lui dont il est question. Je suis surpris qu'il est derrière, il tombe, mais c'est virtuel. C'est-à-dire que il est virtuel là-bas. Ça ne le concerne pas. Mais il tombe. Si le problème, c'est qu'il se donne son nom. Il ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est J, M et N. J, M et N. Et N comme Nana. D'accord? N. C'est cette personne ce qui m'a surpris dans cette... Parce que quand j'ai vu l'autre tomber, écoutez, madame, écoutez encore quelque chose. Vous avez noté J, M et N. J'ai vu la première personne qui est tombée là-bas. Écoutez, écoutez. C'est le deuxième de telle enseigne que le deuxième de ce deuxième devient premier, mais étant toujours dans la même place. Celui qui tombe, c'est le deuxième. Et c'est le deuxième de telle enseigne que le deuxième qui vient prendre sa place et commence à faire ce... Ils sont de la même place. Et puis je me tourne, celui de virtuel, si il m'intéresse. J'ai posé beaucoup de questions. Comme vous, peut-être, vous allez poser la question, il s'agit de qui? Puisque moi, je le connais, j'ai posé beaucoup de questions. Comment il a fait pour se retrouver là-bas? Pourtant, il y a une déclaration qui a été faite. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fera de cette déclaration? Alors, observez la lettre N. Observez maintenant N. Vous regardez N, n'est-ce pas, que vous avez écrit? Vous regardez N, dont vous avez écrit là tout à l'heure. Je vais y revenir seulement. Quand ça va venir, il vient descendre, je vais vous dire, vous allez voir toutes ces définitions. Maintenant, regardez, la lettre N, vous remarquez que si vous écrivez le... Vous appelez les organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales, si vous les voyez en anglais, vous pouvez dire cela en anglais. Et puis vous prenez un peu de Guinness, vous pouvez comprendre qui il est vraiment. C'est comme ça qu'il peut mettre ça pour vous, c'est qui il est. Donc, les organisations non gouvernementales, mais cette fois-ci en anglais. Mais vous mettez un peu de Guinness. Vous savez, comme les gens quand c'est réuni, ils boivent un peu de Guinness. C'est comme ça qu'il peut mettre. Donc c'est de lui dont il est question. Alors je l'ai vu donc, lui aussi tituber et partir. Il n'est pas dedans. Mais il y a une déclaration qui a été faite. Et puis vous voyez que le problème vient de la brousse. La forêt. Même les démons, vous ne pouvez pas les corrompre. Même les démons, vous ne pouvez pas le corrompre parce qu'ils savent qui est qui. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Pour vous donner une petite illustration, il parle pour ceux qui font dans la chefferie, par exemple, dans l'ouest du pays. Lorsque les notables qui sont là-bas disent, quand je suis pas là, c'est telle personne qui va s'asseoir, voici la chaise. Si tu as deux têtes, viens t'asseoir là-bas, si c'est pas toi qui as été désigné. Frère Joseph, pourquoi tu dors comme ça? Non, tu as des méditations, tu as des nages dans la forêt, tu vois ça entre les poissons. Donc,
Quand cette personne se dit, voici le siège, quand vous dites, voici le siège de telle personne, quand vous vous asseyez là-bas, les sièges sont des dominations. Remarquez, tout a été créé par lui. Trône, dignité, domination, ce sont des êtres. D'accord? Le trône dont on parle, ce n'est pas un endroit où on s'assoit, ce sont des êtres qui parlent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, quand vous voyez une forme de trône là, dans ces royaumes-là, vous dites, en vrai, le bois qu'on a fait, là, c'est l'aspect de ce que tes yeux peuvent voir. Mais ce sont des êtres. Donc, quand tu dis que j'ai deux têtes, va t'asseoir là-bas, tu vas voir de quoi il est question. Le trône va te rejeter. Parce que tu n'as pas été. On a parlé au trône que c'est telle personne qui viendra vers toi. C'est lui que tu as accepté. Donc, vous voyez, quand quelqu'un me dit, ah, on s'en fout du grand-père, on s'en fout de ceci. Je parle dans le domaine. C'est pour ça que je dis que même le démon, vous ne pouvez pas le corrompre. Je parle de ces. Non gouvernemental avec la Guinée, là, il dit c'est la forêt, le problème c'est la forêt. Quand ça va arriver, il va vraiment vous détailler toutes ces choses pour que vous compreniez ce que ça nous dit. On ne peut pas corrompre les démons. Vous ne pouvez pas les tromper si vous n'êtes pas désigné. Voilà ce qu'il peut dire. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? La chute, les gens sont de dégringoler. C'est que ça nous dit là pour l'autre, là, quand il marche comme ça, là, c'est dans quelques semaines vous allez entendre. Et puis vous voyez, écoute, l'autre personne qui est deuxième, qui est premier et qui sont le même corps, s'est réjoui. Non, c'est quoi? J'avance, vous allez comprendre vraiment. Vous comprenez, hein? Je comprends. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez donc les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on parle. J-M-N, c'est de lui. Donc, mon problème avec lui, c'est la déclaration qui a été faite. Et le problème, c'est qu'il ne devrait pas se retrouver ici sur ce chemin-ci. C'est virtuel. Il est virtuel là-dedans. Donc, il n'est pas concerné par le départ. Il ne s'est pas censé concerner par les départs parce qu'il doit entrer. Mais qu'est-ce qui arrive? La forêt. On peut y aller, frère. J'ai terminé. Donc maintenant, on peut entrer dans la Sainte Écriture maintenant pour ce qu'on doit faire maintenant. Vous avez. Donc, comme tu t'es concerné, c'est seulement JMN que tu as noté, frère. Un des 7 jours, la semaine dernière, quand il était là, tu n'étais pas là. Comme je t'en ai parlé des branches qui sont greffées là-bas, peut-être que tu ne sais pas de quoi les questions passées la semaine dernière, tu n'étais pas là. La prochaine fois qu'elle va venir ici, vous dire, vous savez J, n'est-ce pas, M, voici ce que ça veut dire. Tu ne seras pas là. Après, vous n'allez même pas écouter. Donc, il y a les deuils sur le Cameroun. Donc. Okay. Voilà. Bonsoir. Baissons la tête et on prions. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays, quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière vit. Car les ténèbres ne régneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Pour l'amour et pour la patrie. Le travail et la paix aussi. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants. Que le peuple et ses dirigeants. Aient de nouveaux cœurs repentants. Sois responsable et conscient. Sois responsable et conscient. Pour un renouveau. Pour l'avènement d'un pays gagnant. Prie. Réponds à ta destinée. Lève-toi, prie de toute ta splendeur. Rayonne au Cameroun. Envole
cœur change, le Cameroun transforme le cœur. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Guéris le Cameroun. Garde-nous de nos ennemis. Protège le Cameroun. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve le Cameroun. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et nous périssons par notre manque de connaissances. Car plusieurs dans leur ignorance se sont amis du destructeur. Par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que soit faite ta volonté, que soit faite ta volonté, oui, que ton règne soit établi, que ton règne soit établi partout à travers. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.